Je vais laisser la parole, parce que j'en ai pas parlé ce soir, mais j'attendais de pouvoir le faire à celui à qui j'ai proposé il y a quelques mois de parrainer l'association Croque l'Espoir. Il est le second parrain, mentir, puisque le dernier était Bruno Delmonte. Cette année, je lui ai proposé de parrainer l'association et avec tout le travail qu'il a avec son restaurant Les Pieds du Pain et maintenant sa boutique qui fonctionne très très bien, Les Pieds Malins, il me fait l'amitié et l'honneur d'être présent à nos côtés. Je crois que je peux dire mon ami François Pastot, merci de parrainer cette association, je te laisse la parole. Merci à toi de nous accompagner cette année. Merci Cédric, merci bien. Très heureux d'être là. Je pense que vous êtes un peu tous comme moi, je me sens bien, je me sens toujours très bien quand je viens dans cette école. Et vous savez, je ne pensais pas quand j'ai commencé à traîner mes baskets en 1978, au siècle dernier, c'était le début d'une belle histoire avec Firandi, parce que en plus je me suis installé juste à côté, et c'est une belle et grande école, et je suis toujours très heureux de venir ici. Mais on va rentrer dans le sujet, hein, parce que lorsque effectivement Cédric m'a demandé... de parrainer son association, c'est tout de suite sans hésitation que j'ai accepté pour une si noble cause. En effet, l'action de Croque l'Espoir est une merveilleuse initiative, puisqu'il s'agit de mobiliser les différents acteurs patrimoine culinaire pour participer à l'amélioration des conditions de vie des enfants malades. En tant que président des anciens élèves, je suis aussi également très fier que Cédric Charrère et tous les membres du bureau de l'association soit des anciens de notre belle école de cuisine gastronomique, Ferrandi Gastronomie. Et enfin, je tiens également à remercier toute l'équipe, tout l'ensemble de bénévoles, également les chefs, les professeurs, les élèves qui œuvrent en coulisses ce soir pour nous, pour cette belle soirée, afin que nous puissions passer un agréable moment. Merci à tous. Voilà, je vous laisse maintenant apprécier comme il se doit l'amuse-bouche. On va procéder à un dernier passage de vente des tickets Tombola et après on arrêtera et on procédera au tirage au cours de la soirée de ces tickets Tombola. Je voudrais remercier aussi les étudiants qui nous ont accompagnés ce soir et qui nous accompagnent ce soir, parce que sans vous, on n'en serait pas là non plus. Et voilà, et c'est important de vous avoir à nos côtés, mais on y reviendra plus précisément tout à l'heure au cours de cette soirée. Merci à vous, et puis bon appétit à tous et à tout à l'heure. Voilà,